Bon, alors la peinture pas très concluant, malheureusement, parce que là c'était l'emplacement de mon tapis d'entrée, et puis comme vous pouvez le voir, la peinture s'est complètement effritée en fait avec l'humidité du tapis. Est-ce que j'ai pas attendu assez longtemps? Peut-être, faudrait que je regarde, mais bon, c'est, je suis quand même pas très convaincu finalement. Et puis il y a des endroits où, voilà, si on a un caillou sous la chaussure, là par exemple, je sais pas si on va voir, voilà, ça fait des petits traits comme ça quand on pose un truc. Alors, pourtant, ça fait plus d'une semaine. Et ouais, je sais pas. Alors, je vais essayer de faire plusieurs couches. Et puis, on verra ce que ça donne avec le temps. Ah, c'est dommage parce que ça rend bien, quoi. Mais voilà. Vraiment, vraiment déçu là. Bon, on verra ça plus tard. Bon, voilà, retour à la case départ. Après avoir tout gratté. Non, bah, ce qu'il faut faire, c'est que faut que je le ponce. Tout simplement, histoire qu'il y ait une meilleure adhérence. Parce que là, en fait, le carrelage est hyper lisse. Alors par contre, dans les joints, ça a très très bien tenu. Bah, ce qui est normal puisqu'il y a une meilleure accroche. Hein. Et donc je penserai ça une autre fois pour recommencer la peinture. Voilà. Un autre souci aussi que j'ai à ce niveau-là, c'est que lors d'une forte pluie là, qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, il y a eu un écoulement qui s'est fait. Et donc ça a craquelé aussi toute la peinture qui était là, c'est pour ça que je l'ai vu. Donc là au bout j'ai mis du mastic, mais le problème c'est que tout le long sous la porte, là, il y a un petit jour. Donc bon bah pour la flotte pas cool, mais en plus niveau thermique c'est pas le top. Alors du coup j'ai acheté un mastic qui est fait exprès pour voilà pour salle de bain, enfin exprès pour justement l'humidité etc, la pluie, la flotte. Donc bah, je vais poser ça tout de suite. On se retrouve à l'étage puisque sur cette armoire, j'ai envie de poser ce miroir. Ce miroir qui vient d'en bas puisqu'il vient de la salle de bain et je suis en train de repeindre la porte de la salle de bain. Donc vu qu'il y aura un autre miroir et que j'en ai pas dans cette chambre, je me suis dit que je vais essayer de poser sur cette armoire. Ça va pas être facile puisque il y a un petit peu de y a une surépaisseur là à cause de ça, mais avec des vis un petit peu plus longues, bah ça devrait le faire. On va voir ça.
le château de Valençay. Avec une église qui a un clocher assez particulier. Bon, on voit pas très bien. Je suis passé devant tout à l'heure, c'est assez original.